prévu, il y a plusieurs essences. On essaie de mixer, quoi. Vous mettez pas deux oliviers à côté. Une fois que les arbres sont posés, deux autres qui passent avec les persistants. On a du laurier sauce, on a du pistachier lentisque là, on a du... Là, ça c'est de la filaire à feuilles étroites. C'est une intervention sur la commune de Calce où on va planter une haie pour en grande partie pour la biodiversité. Ensuite pour briser du vent puisque là derrière il va y avoir des semis de fleurs et également pour les abeilles puisqu'il y a pas mal d'apiculteurs sur le secteur de Calce. C'est vrai que c'est un projet un peu particulier et donc ça permet de rencontrer les jeunes qui sont en formation dans le domaine de l'environnement et qui demain travailleront dans les structures avec nous sûrement. Je suis chasseur et ça y fait. Après j'ai fait en BTS ce qu'on appelle un projet PIC. C'est projet d'initiative et de communication. Et avec mon groupe, on l'avait fait justement sur le fait de valoriser les haies pour le petit gibier et pour l'agriculture. Planter des haies, c'est super important aujourd'hui quand on voit qu'on les arrache partout. Et moi je fais ça en cours au génie de l'environnement, au DUT deuxième année, et je leur disais que ça permettait de réalimenter les nappes, ils ne voyaient pas le rapport. Donc d'où l'intérêt de faire le cours. Et puis le cours, ça reste malheureusement un peu de la théorie, donc c'est bien aussi de pouvoir faire de la pratique. Voilà. Toute la théorie qu'on met en pratique là sur le terrain et après tout le projet qu'on va mettre en œuvre. Quoi. Vous plantez et on laisse ça en surface et on repassera après, on remettra une bonne pelle de terreau sur le dessus. Il y a toujours eu cette sensibilité quand même dans le monde de la chasse, hein. On a toujours été très proche de l'environnement. J'ai toujours connu ça, quoi. Il y a toujours eu des aménagements, on a toujours ouvert les milieux, on a toujours fait des points d'eau. On aimerait communiquer le plus souvent possible avec ces jeunes parce que ils nous apportent comme on peut leur apporter. C'est vrai que j'avais pas du tout cette image-là des chasseurs, on va dire.